Merci. Alors, quel jeu, monsieur ? 124. 124, c'est où, ici, à la fontaine ? À Marcel-Rouvière. Eh bien, il faut y aller, hein. Bonjour. Voilà, bon. Je voulais bien. Venez, moi, là. Quelle équipe tu es ? 112. Bonjour messieurs, dames. Voilà. Une mise en ligne libre. Voilà. Bon appétit messieurs. Merci. Et il en faut des forces pour jouer. Là-bas, à Marcel-Roulant. Moi je vais à Marcel-Roulant, moi. Ouais. Oh, non. Faut que je m'en aille, moi je suis mal de carrière. Mais tu vas à l'instant. Ouais, tu as porté de quoi mettre un peu d'apéritif tout à l'heure, oui. Bon, mais c'est pas moi qui ai de l'honneur de servir. Bonjour monsieur. Le grand absent de la compétition. Deux jolies filles parmi beaucoup d'hommes. Oui, ça. Frère, on a du cul, on va au 15. Hein ? C'est bien. Messieurs, bonjour. Vous vous retrouvez là-haut, au milieu du midi libre. Ah, la qualité, pas la quantité. Il en manque alors par rapport à ce qu'on a vu, non ? Ouais. Combien il y a d'équipes là ? 300 ? 300, eh bien voilà, ça fait compte en rond. Il y aura quelques impairs comme ça. Ouais. Eh bien bon parcours. Attention, hein, là. Carton jaune, hein, c'est là-bas. Oh là là, mon ami, bonjour. Monsieur le président. Ah, pardon, excusez-moi, ça dégonne. Bonjour. Il ne faut pas mettre le tête, parce que sinon je ne me rappellerai pas que c'est toi. Ça va, jeune homme? Bonjour, tu vas bien? Ça va, Lucien. Salut, ami, et toi? Impeccable, toi. J'étais ami avec Blos Aqua, monsieur Cornu, Numa. Ah, ouais. Parmi les outsiders, s'il est bien monté, hein. Un monument des boules. La voix mélodieuse de l'AEM. La découverte du tirage au sort. Mon ami, bonjour. Bonjour monsieur. Ah ouais, ouais, ouais. Viens nous voir là-bas, on vient quand même. Le père a réveillé la fille légèrement endormie. Bon, depuis hier, ça va? Très bien. Le cinéma par l'AEM. Au
opérateur chef, monsieur Gardès, Roland de son prénom. Il joue pas, mon poulet. Il joue pas. Il fait chauffeur. Il fait chauffeur. Bon. L'année prochaine. Et le moteur est en route pour amener tes équipiers où? À Marcel Rouvière. Alors, prêt pour le départ? Eh bien, allez. Bah, vous pouvez bouger, là, c'est pas la troupeau, hein. Voilà. Thank you.
1, 2, 3. Père et fille, combien ? 7 heures. Ça ne me semble pas, mais l'association est bonne, hein ? De faire des couverts. Parlez. Roland Gardès, bonjour, responsable de l'organisation de l'AEM. Quelques mots, si vous voulez, sur cette AEM qui, toutes les années, s'occupe ici du Midi Libre, ville de Nîmes. Bon, on a commencé le 15 et le 16, le 15 juillet, pour le montage des tentes, tout le traçage des jeux. Organisation de pour la nourriture, aussi à l'estinque. On a fait des jeux à l'estinque. Puis bon, merci aux bénévoles qui nous ont donné un bon coup de main. Des 40 bénévoles, parce qu'il y en a été une quarantaine. Après, il va falloir démonter et puis replacer tout le matériel. Désertification. Enfin, je parle du Midi Libre, puisqu'on est Midi Libre. Midi Libre, peut-être que s'il était gratuit, peut-être aurait beaucoup plus de monde. Il faudrait venir peut-être les grands-pères avec les petits-fils pour jouer. Tandis que là, bon, il y en a quelques-uns qui, c'est vrai, qui sont un peu insistés. Alors l'an prochain, je ne sais pas, ce que le comité organisateur va décider. Mais ce serait peut-être bien de repartir comme avant, de le faire gratuit. Mais pourquoi moins d'équipes, je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement. Pourtant, la mairie de Nîmes avait fait beaucoup d'efforts avec des souvenirs. L'apéritif gratuit, qui a été un peu aussi pas trop suivi. Bon, après, on se demande pourquoi. Pourquoi les gens ne viennent pas ? Alors, il y a peut-être aussi le parking aussi. C'est vrai que les gens viennent pour se garer, c'est un petit peu embêtant pour se garer. Ou alors avoir des navettes pour du parking du stade jusqu'ici, peut-être. Je ne sais pas, franchement, je pose la question. Et bon, ça vaut le coup d'y penser, pour attirer un peu plus de monde. Hein. Merci beaucoup. Sauce à l'ail, qu'est-ce que vous préparez, docteur ? Pour midi, le déjeuner ? Le menu ? Fond blanc pour le riz, c'est gardien. Ah, bah c'est bon, ça.